J'ai deux pièces. Alors, je sais pas si on voit bien. J'ai deux pièces. J'ai mis une pièce 1 euro et une pièce, je ne sais, 20 centimes, je crois. 20 centimes. Elodie, j'ouvre ici le bouchon, je verse les pièces. Elodie, j'aimerais que... alors, ne te fie pas, on va dire, à 1 euro, c'est plus intéressant que 20 centimes. Forcément, c'est plus logique. Hein. Ne te fie pas à ça, d'accord? Ce que je veux dire, c'est si tu veux choisir la 1 euro, bah, tu me dis 1 euro. Si tu veux choisir la 20 centimes, bah, tu choisis la 20 centimes. Ne choisis pas en fonction de la valeur, d'accord? Tu préfères quoi? Ben, 20 centimes, on la verra mieux, je pense. Tu verras mieux la 20 centimes? Oui. Ok, 20 centimes. On est d'accord? Elodie, toi-même, est-ce que tu peux remettre le bouchon? Parfait. La 1 euro? Oui. 20 centimes ici. Et la 1 euro passe à nouveau à l'intérieur de la bouteille. Elodie, tu peux toi-même, pas la peine de l'ouvrir, tu peux vérifier, tu peux examiner. Il n'y a aucune ouverture sur ce cas. Vas-y, je t'en prie, fouille. Il n'y a rien. Tu peux hein, vraiment... C'est... Alors, par rapport là, on va dire, au prototype, là, le verre, non, c'est... C'est du solide. Oui, hein. Alors là, là, c'est du solide. Hein. Vraiment. Là, on peut avoir un peu peur. Voilà, on peut peut-être avoir peur de taper, etc., que ça non, se là, casse. N'oubliez pas, ça, c'était le prototype. Et voici le résultat de A Gentleman's Magic. OK? En collaboration, bien sûr, Big Magie, Gentleman's Magic, etc. Et d'ailleurs... donc ça c'est une exclu, hein, vous l'avez compris. Je vais vous expliquer dans quelques secondes. Elodie, tu peux continuer, non oui, il y a rien à voir, rien. Bon, Elodie connaît maintenant le truc puisque juste avant je lui ai montré. Mais là elle joue vraiment, on va dire la spectatrice, on va dire non complice, une spectatrice qui examinerait exactement pareil. D'accord. Il y a rien à voir. Donc c'est en vente, on va dire dès ce soir, maintenant sur bigmagie.com. Allez sur le site, de toute façon, vous connaissez, c'est, à mes yeux, c'est la référence en magie. De toute façon, si vous tapez sur Internet « Tour de magie »,« magie », vous arrivez sur Big Magie. Voilà, vous avez compris le sérieux, le professionnalisme. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille les yeux fermés en collaboration, enfin en collaboration, que Big Magie représente mes produits. C'est... Il n'y a aucun problème. Ou alors, allez sur mon site www.gimmickmagic.com pour les connaisseurs, pour les habitués. Vous allez voir sur la page d'accueil, il y a une bannière, bottle, commandez mon exemplaire. Vous cliquez dessus et vous êtes réorienté sur la page de Big Magie. Vous n'avez rien d'autre à faire. C'est, on a mâché le travail pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est le commander et attendre 24-48 heures. Tout dépend de la poste, pour recevoir chez vous votre exemplaire, votre bottle. Un grand merci à Urbain. C'est vrai, hein, Urbain, il a fait un travail de malade. Il a beaucoup travaillé. Oui. Ouais, il a... Je ne sais même pas, autant moi des fois je passe un temps fou sur des gimmicks, etc. Mais là, Urbain a vraiment développé le produit au maximum. Vraiment au maximum. Et d'ailleurs, il y a même une routine. C'est ce qu'il nous a dit. Hein. On l'a vu, j'ai hâte d'essayer aussi. Coin Cross, vous savez, c'est... vous êtes comme ça, vous sortez les pièces, par exemple 3 pièces de monnaie, hein, ça peut être même des pièces de 2 euros, hein, il n'y a pas de problème, n'importe quelle devise. Vous sortez par exemple 3 pièces de la bouteille, vous la donnez, Elodie, tu mets ta main, oui. Mets ta main à plat, vous êtes comme ça, vous posez la bouteille dans la main des spectateurs, ça c'est génial, hein. Rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup de la routine. Hein. En plus... si vous connaissez pas encore Urbain, vous allez en entendre parler. Hein. C'est voilà, il est en train d'émerger et vous allez voir. Rien que cette routine, elle est hallucinante. C'est-à-dire, vous sortez par exemple 3 ou 4 pièces, on va dire 3, les pièces ici, vous mettez la main ici, les pièces une par une disparaissent et passent dans la bouteille. Ça c'est le coin cross classique. Bien entendu, il fallait rajouter le petit plus. La dernière pièce, vous fermez carrément la bouteille. Vous demandez au spectateur, aux spectatrices de mettre sa main. La pièce disparaît ici, boum, et réapparaît à vue à l'intérieur. Alors que la bouteille est fermée et elle se trouve dans les mains des spectateurs, enfin de votre spectatrice.
Là, j'ai choisi une belle spectatrice. D'accord. Donc, et ça, Urbain a vraiment fait un truc de malade. Dans l'équipe de Gentleman's Magic, l'équipe Big Magie, on va dire, hein, aussi, il y a Michael. Oui, déjà, j'adore son prénom. C'est un gage de sérieux, n'est-ce pas ? Non, Michael a fait aussi une super routine avec une technique, c'est fou. C'est-à-dire, la pièce se volatilise vraiment, vraiment, et boum ! C'est, voilà. C'est tout ça pour vous dire que, entre le moment où je dis, voilà, j'ai une idée, qu'est-ce que t'en penses ? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, c'est génial, etc. Ça n'a plus rien à voir. Maintenant, je vais vous montrer le secret. Puisque qui dit groupe secret, dit secret. J'ai confiance en vous depuis des années.